C'est un rendez-vous annuel pour bien des familles. Le Parc Safari en Montérégie existe depuis plus de 50 ans maintenant, mais entre l'inflation et les préoccupations concernant le bien-être animal, comment cette entreprise fait-elle pour demeurer attrayante? Anne-Sophie, vous êtes rendue sur place pour le savoir. Tout à fait. En plus, c'est aujourd'hui l'ouverture de la 52e saison du Parc Safari. Donc, oui, on est venu ici pour un peu mieux comprendre comment l'entreprise évolue. Comme vous l'avez dit, oui, inflation, on sait des fois, ça peut être dispendieux. Une journée ici, est-ce que les gens sont toujours au rendez-vous? Et pour toutes répondre à ces questions-là, on est avec le fondateur. Vous êtes bien le fondateur, M. Rangé? Oh, le fondateur, c'est le monde entier qui a participé à ce que les eaux évoluent vers des oui, safaris. Ici, c'est bien vous qui avez créé ça, là, il y a 50 ans. Oh, je travaillais pour euh, un monsieur de New York qui a lui créé ou participé au développement du parc safari, et j'ai eu la chance de travailler ici en 1972, 13 et 14, et d'aller en Europe pour en participer à l'ouverture de quatre autres institutions comme celle-ci. Et ici, il y a vraiment un enjeu. Des fois, en vie... avant, il y avait un enjeu on peut le dire comme ça, parce qu'il y avait les voitures qui circulaient dans le safari. Mais cette année, c'est nouveau. Là. On n'aura plus ça. Hein? Et c'est une bonne question. Non, c'est oui, c'est nouveau, mais c'est quelque chose auquel on songe depuis très longtemps. L'environnement est une préoccupation qui touche la planète entière. Ce que l'on peut faire dans une nation zoologique comme le parc safari, c'est peut-être de réduire notre empreinte hein? écologique. Alors, dès 2002, on a installé, la... on a mis la géologie pour euh, créer la chaleur dans les immeubles mmh. où nous gardons les animaux durant l'hiver. Et le dernier pas, celui qu'on célèbre aujourd'hui, c'est le passage au camion électrique de Beauce fabriqué à Saint-Jérôme par la compagnie Lyon. Et ça, c'est une façon pour nous de moins voir de gaz à effet de serre sans aller dans... Les voitures à pétrole qui sont vraiment dans les chemins où les animaux cohabitent. Oui, mais il y, y a deux avantages. L'avantage, c'est que plutôt que d'être dans un bouchon sur un circuit de 5 km, là, vous êtes à bord d'un camion, il y a quelqu'un qui peut vous parler ou qui vous parle, puis qui vous dit, voici quels sont les animaux qui sont en face de vous. C'est donc une expérience bien différente, mais nous croyons très réussie, parce que ça fait deux ans qu'on teste le concept. Et et ça marche. Et les gens sortent de là wow. en disant, waouh, quel beau voyage. Et vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'il bon, y a toujours un enjeu là, de préoccupation animale dans les zoos comme ici. Vous, là, ici au Parc Safari, qu'est-ce que vous faites pour vous assurer que les animaux soient, soient bien? Écoutez, Aurélien, qui est notre directeur zoologique, peut très bien répondre à cette question, mais au niveau idéologique, les animaux qui vivent dans des institutions comme la nôtre ont de grands espaces. Euh, on ne peut pas contester... Ce que personne... certaines personnes pensent, ils ont le droit de... Dire ce qu'ils disent sur les zoos. Ici, dans les parcs Safari, depuis maintenant plus de 50 ans, ce que nous faisons, c'est la reproduction pour préserver des espèces qui peuvent être menacées parce que leur habitat est envahi par les humains qui occupent plus d'espace. Merci beaucoup. Alors voilà, et plus tard, là, dans un reportage, je vous montrer les nouveaux kangourous roux ici. C'est assez mignon. Ah, ça promet. À tantôt. Merci. À plus tard. Merci.